J'ai peur. Mai 1930, Sir Peter. Je suis traumatisé. Entre la scène qui était très bizarre et les bruits surtout. Au secours, waf. Ces gens sont fous. Ce jeu est génial. Ah, mais il est cool, hein. Mais c'était flippant. Y a un objet par terre, non? Et oui, t'étais, tu t'étais, toi. Ah, bon, j'arrive à parler. Où t'étais, toi, pendant que je vous ai violé par un rat? Lettre fleurie. Y a quelqu'un qui m'observe. Dégage, ou je bouffe ton âme. Avec des céréales. Et le lait après. Je suis désolée, Jennifer. Retrouve-moi où tu peux voir le ciel. Ton amie, Amanda. Amanda, tu n'es pas mon amie. Tu viens de me coller un rat sur le visage en faisant des bruits absolument crépis. Tu n'es pas mon amie. Je te déteste. Dégage. Samantha derrière la porte là. Alors toi, t'es là seulement quand je suis pas en danger, hein. Merci, hein. Le petit chien. Alors les monstres sont plus là, bas non. Go. Je suis paumé, hein. Ça y est, on va tourner 20 minutes parce que je suis perdu. Il y a des enfants là. La fille essaie de parler au prince négligé, mais il ne voulut pas répondre. Espèce de petit con. Et toi? La fille tenta d'attirer son attention, mais le prince glouton l'ignora. Eh ben, allez vous faire foutre. Très bien. Moi, je dors toute nue. Moi j'arrive pas à dormir nu, ça fait bizarre, je sais pas. Il faut au moins que j'ai, je sais pas, une culotte quoi. Je sais pas, je suis un peu bizarre par rapport à ça. Il y a un t-shirt aussi en fait, ouais. Ouais, c'est bizarre. Ouais, je sais. Ah, oh, ah, oh, ah, 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 ah. Cinématique. Ouf! Ouf ouf! Je suis le chien, hein! Eh bah ben, allons-y! Ouvre! Appuie, appuie bouton! Toi, appuie bouton! Ou alors c'est ce bouton-là, peut-être. Attention, l'alimentation de secours sera activée en cas de panne. Pour établir l'énergie après une panne, redémarrez le générateur 1 dans le secteur 11. Non mais là, il n'y a pas de panne. Retrouve-toi de Kiki, Samara. Non mais il fait trop chaud. Supérieure, moyenne, basse. Elle est en haut, non? Super, j'arrive plus à parler, putain, c'est terrible. Je crois qu'elle est allée en haut. J'ai peur. Ça fait très silentilesque quand même, hein. Qu'est-ce qu'il a? Calme-toi. Tu veux pas observer ça, là? Ou ça? Non, ça te dit rien. Ah oui, le chien, il va pouvoir monter du coup.
pourquoi je me sens très très mal. C'était une nuit noire sans une étoile. Oh putain, j'ai peur. En faisant attention, vous pouvez voir quelqu'un se déplacer dans l'obscurité. Ah ouais, c'est celle qui m'a foutu le rein. Ah oui, c'est bon, je me rappelle. Elle m'a frotté un rein sur le visage. C'est assez bizarre. Non, n'approche pas. I had no choice. They would have hurt us both, wouldn't they? I'm sorry. I'm so sorry. But it's my turn. Don't think you have to hold back. Do it like this. And this. And this. And this. Oh, and this. And like this. And this. Au secours. Au secours, j'ai super peur. We're still friends, aren't we? Non. Jamais de la vie. Elle vient nous passer dessus quand même. Hein. C'est malaisant, non mais c'est, je me rappelle, c'est bon, je me rappelle de la fin du dernier live, c'était déjà hyper malaisant, hyper malsain. Et là, non mais... Mais putain de merde quoi. Ah non mais qu'est-ce qu'on vient de voir? Qu'est-ce qui vient de se passer quoi? Oh mon dieu. C'était trop bizarre. J'ai peur. Ce jeu m'inquiète. Ce jeu m'inquiète parce qu'il est malsain. Voilà. Vas-y, Waf, je te suis. Fidèle compagnon. Je suis jamais allée là, non? J'ai soif. Pourquoi elle est passée au-dessus de toi? Mais je sais pas! C'était trop bizarre! C'était beaucoup trop bizarre! Dis-moi où il y a des bruits chelous? Je sais pas où je vais, je suis mon chien! Oui, je sais pas où je suis mon chien. Tiens, oui, je l'ai vu, arrête de japper, arrête. J'aime pas cette gosse. Je touche pas, calme-toi. Ah, il y a un truc. Va derrière toi. Il y a un truc là. Inventaire plein. Oh vieille photo, on s'en fout ça peut-être. Abandonné. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait lâcher d'autre? Apparemment, il y a encore des trucs à trouver. Hein. J'ai trouvé une sucette. D'accord. Et quand est-ce qu'elle aura fini, en fait?
Faut que je me casse ou Je me casse, hein. Ah ouais, Misao, ouais. On vient de m'envoyer une boule, je crois. Amanda et Jennifer, report on the gift box. Non mais elle est terrifiante. Sérieux. Nerveusement, la princesse Meskin haussa des épaules et dit. Elle me fait peur. On doit retourner à la porte au cadeau du coup. Normalement le chien va m'y conduire. Enfin il a intérêt. Parce que j'ai déjà oublié où c'était. C'est très labyrinthique ici quand même. Y'a pas de l'enfant avec la sucette. Et la porte elle est là-bas? Où il me conduit? Bah écoutez, je suis le chien. C'est l'enfant qui nous appâte. Où t'es qui toi? Ah, on l'a déjà vu. La princesse sage parlait nonchalamment avec des yeux brillants de satisfaction. Sir Peter s'est échappé. Jennifer et Amanda, vous devez le retrouver immédiatement. C'est qui Sir Peter? Elle est morte? Qu'est-ce qui se passe? Ah non. À quatre pattes, la princesse Meskin dit. Non mais... Elle est horrible. C'est qui, Sir Peter? Ici, là? Oh. Oh non, putain, qu'est-ce qui se passe encore? Vermine inutile. Ah, il y a les monstres qui ont ligoté un des vieux qu'on avait vu. C'est trop chelou. C'est trop chelou. Il est où le chien? 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 Bah, il est où ce con? Il va avoir besoin d'une thérapie, mais carrément. Ah, on n'a jamais été ici. Je n'ai pas pensé à du BDSM. J'ai failli dire une connerie en plus à propos de ça. Chaussette! Oh oui! J'ai trouvé une putain de chaussette. Génial! Mais il y a un gars, j'avais pas vu, putain. La princesse froide parla à la fille d'un ton égal et sans émoi. 5 petits points. Peter ne devrait pas être sorti de sa cage. Mais qui est Peter? C'est genre un rat? C'est genre comme dans Harry Potter, c'est Peter petit gros? Tu veux ma sucette? Oh! Oh! Ah, c'est un oiseau, j'ai cru que c'était un papillon au début. Et l'horloge, t'en bats les couilles? On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. T'as comment? Go! Ça me fait trop rire, j'ai... Heureusement que le chien est là, hein, sinon le jeu n'existerait pas. Bille. Mais c'est quoi tous ces objets complètement random que je trouve? Je comprends pas. Là, on doit retrouver Peter, on sait pas à quoi il ressemble, on sait pas qui c'est. Ah merde, c'est là où je peux pas rentrer. Mais pourquoi ces bruits? Pourquoi?
Le mec est ligoté avec des monstres et il fait un, un, un. Ouais, yes. Useless brat. Pourquoi? Quoi, pouvoir rejoindre l'autre pièce. En vrai. Oh, mais il y a un enfant ici aussi. La princesse est scellée par là nerveusement, tout en tentant de maîtriser sa toux. Mr. Bunny is gone. Il y avait un lapin où on est? On avait vu le dessin d'un lapin, mais il y avait pas, on n'a pas vu de lapin ici. Oh, ce bordel. Ouais, ça on l'avait vu, ouais. On l'avait vu. Tais-toi, chien. Est-ce que je peux rentrer par là, du coup? Merde. Je crois que le chien est légèrement chaud lui aussi. C'est la canicule. C'est la chanicule. Il a quelques soucis. Sir Peter, on sait pas du tout qui c'est, où il est. Putain, mais il y a des gosses de partout. La princesse impétueuse s'affaira tout en se plaignant. Peter sent le caca, il sent tellement mauvais, je ne veux pas le toucher. Tu sens mauvais, va-t'en. Va te faire foutre. Est-ce que Peter est peut-être pas loin, du coup? Ah, et là, il me faut une énigme du père Fouras, ouais, parce que je suis perdu. Oh, le lapin! Le lapin! Le lapin. Where is the lapin? J'ai perdu le lapin. Putain, j'ai eu trop peur. Je m'attendais pas du tout dans sa tête. Joshua, j'écris une nouvelle histoire pour toi. Je ne m'appelais pas Joshua. On l'avait déjà vu une fois, il nous avait donné un truc. Ça, les gars, j'ai peur. Pardon. Non, mais ça m'a surpris, je m'attendais pas à le voir. J'ai trouvé Sir Peter. Mais c'est un papier? Sir Peter parti flâner. Sir Peter mis en cage dut se retenir. Sir Peter doit partir. Il ne peut pas pêcher. Il ne veut pas pêcher. Sir Peter ensaché et enlevé avant qu'il trouve des toilettes. Adieu Peter, adieu. Sir Peter, ça avait bien l'air d'être le lapin. Hein. Jennifer a trouvé Crotte Peter. Mais c'est pas des crottes. Le sac contient les mêmes billes noires que celles répandues sur le sol. Ah si, c'est peut-être bien des crottes. Hein. Je sais pas que ça devient chelou, mais presque. Alors, l'heure est venue de savoir qui de la princesse mesquine ou toi sera celle au bas de l'échelle. Trouver à travers Sir Peter le lapin, c'est bien le lapin. C'est ton seul indice. C'est pas un indice très grand. Hein. Ah, je sais pourquoi on a ramassé ces crottes. On va pouvoir le faire sentir au chien et y trouver. Et oui. Go! Ma théorie sur la différence en fait, je sais confier. Hein. Euh...
Attendez, pardon. Quoi? Pardon, quoi? Pardon? Comment on attaque déjà? D'accord, c'est bien un ennemi. J'ai essayé de donner un coup de pied, ça n'a pas bien marché. Putain, j'ai tué un monsieur lapin! La la la! Que se passe-t-il dans ce jeu? J'ai peur. Tu commences à me faire chier, Sir Peter. Peter, reviens! Y'a un ennemi, mais c'est pas. Suis le lapin, Alice. Oui, c'est ça. Ah bah le chien joue un meilleur jeu que nous, hein, ça c'est sûr. Ça c'est certain. Là je le suis parce que j'ai pas vu où... Oh oh oh! Qu'est-ce que c'est ça? J'ai plus de place dans l'inventaire. Trouve-moi le lapin, hein, on l'a pas trouvé là. Quoi? C'est une blague. J'ai complètement fui, coucou Tom. Ah non! Non mais je pourrais jamais tous les tuer. Hein. Où est le chien? Ah il est là. Sylvie est un lapin. Pourquoi tu m'amènes de l'autre côté, toi, t'es con? Attends, c'est quoi ça? Biscuit! Biscuit! Pourquoi j'ai des biscuits? Pourquoi est-ce qu'on me donne des biscuits? Pourquoi est-ce que je comprends rien, je joue? Inventaire plein! C'est un gangbang, oui, c'est ça. Ah, on peut se débarrasser de cette clé aussi. Tac. J'ai trouvé une tarte. Ça, je pense que c'est juste pour monter la vie, en fait. Hein. Y'a rien d'autre. Mais le chien veut que je retourne en arrière, mais... Y'a 50 000 monstres. Biscuit, c'est pour le chien. Mais il perd de la vie ? On a tiré avec des biscuits, ouais, ça sent le piège. Bon, le chien avait l'air d'aller par là, on va essayer par là. Aïe. Oh merde! Non, ils sont beaucoup trop! Oh, c'est un enfer! Au secours! Pourquoi le chien ne sert à rien? Laissez-moi passer, laissez-moi passer! Laisse-moi passer! C'est hardcore cette histoire, mais oui! J'en ai tué un au moins ou pas du tout? Regardez le nombre qu'ils sont! Quelqu'un sait si je suis censé les combattre ou pas ou Parce que là, ils me paraissent légèrement beaucoup, quoi. Non, mais c'est impossible. C'est impossible. Et le
chien sert à rien. Attends, on va reculer un peu. J'en ai tué deux, waouh. Je vais regarder ma vie. Bon, ma vie a l'air d'aller bien. Je suis en train de spammer la touche là. Eh bah putain. Oh c'était chaud. Bon c'est par où du coup? Je sais pas du tout si j'étais censé les tuer ou pas, mais je les ai tous su. Est-ce que je vais pouvoir passer maintenant ou pas? Mais non, mais il me laisse pas rentrer. Et c'est par là qu'il faut aller. Comment je fais? Ah mais le chien veut absolument que je prenne le chemin qu'il m'indique, mais je ne peux pas passer par ce chemin. Je ne sais pas quoi faire. Je l'ai mort. On parle de nécrophilie et on est en mode oh drôlolol. C'est si drôle. Fuis-moi. Oh là là, ça y est. Oh, ils ont déballé. Oh putain, le Nimbus 2000. Oh, le Nimbus 2000. Salaud. Salaud, rends le Nimbus. Aïe. Il me grignote. Aïe. Mais putain, mais normalement, je peux avancer en même temps. Aïe. Ouais, bon, le système de combat est pas ouf, hein. Vous pouvez le voir. Mais avance-toi. Voilà. Mieux. Putain, les salauds, ils ont volé les Nimbus 2000, quoi. Bon, j'ai l'air d'avoir trouvé un chemin pour... un autre chemin pour aller là où je dois aller. C'est de corrompre les gardes de la porte avec des biscuits. Il y a partout. Oh, il a un couteau, lui, non? Je vois rien de ce que je fais. Ah! Putain, et je... Mais bordel! Tiens! Et là, on fait moins le ma... Il a glissé! Il triche! Oula! Je suis blessée un peu là. Ouais. Ouh, le couteau, ça fait mal. Alors, est-ce que j'ai quelque chose? Est-ce que, genre, les biscuits... Les biscuits me soignent, mais ils me soignent pas beaucoup. Je pense que la sucette aurait pu me soigner aussi, mais bon. Putain, je suis blessée, wesh. J'espère que je vais pas crever, ce serait con de devoir tout recommencer. Le Swiffer 3000. Frapper, ouvrir, quitter. Frapper? Je suis quelqu'un de poli. Le lapin. Mais non, mais vas-y, le relou. Vas-y. Il a drop son arme? Ah bon? J'ai pas vu. Vite, attends, barrons-nous parce que là, je commence à plus trop avoir de santé. J'aurais pas dû enlever la sucette, j'en suis sûr, ça m'aurait soigné. Bah s'il m'en met 50 et demi, on est dans la merde. Putain! Putain, mais c'est pas possible. Non! Putain, mais...
Ah, mais attends, je suis en train d'enlever un, il y en a un autre qui me saute dessus, quoi. Mais ça suffit! Non, lâchez-moi! Mais 105 000! Bouge! Je peux... Génocide! Partie 2! Ah. Attendez, il faut que je regarde ma vie. J'avais pas ramassé genre une tarte, ça peut peut-être me soigner aussi. Tarte. Ok. Putain. Non mais c'est une horreur. Mais c'est une horreur. Mais là, putain mais... Mais je peux même pas bouger. Je peux même pas me déplacer quoi. Non, tourne-toi. Mais tourne-toi! Putain, mais... En fait, il me bouffe, hein. Vraiment, il me grignote, les gars. C'est horrible, ces monstres. Oh, toute la vie qu'ils m'ont bouffé encore. Waouh. Oh là là, ils sont encore 4, quoi. Non, mais... Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Allez! Je vais mourir. Mais je vais mourir, non, ça va me faire trop chier de devoir tout recommencer. Je me casse. Je me casse, ça va me gaver. Oh là là. Regardez la vie, j'ai plus de vie, au secours! Je peux pas bouffer une bille. Ça a rien passé, sans deck. Ça sent la mort, hein, mon histoire. Hein. J'ai plus de vie. Putain. Mais... Oh non! Regardez, ils sont réapparus. C'était pas si nombreux que ça tout à l'heure. C'est l'abus. Je peux même pas fuir, je peux rien faire. Putain. Mais déplace-toi, fais quelque chose. Vite, le chien est là-bas, vite. Regardez que je souffre. Putain. Ah le lapin. Oh là là, ils sont trois quoi. Mais putain, mais je donnais de coups de couteau, d'où ils sautent dessus quoi. Profitez-en pour qu'ils sont par terre, putain. Oh là là, c'est une horreur. No, viole sa manette. Oh, les viols de mort, là, ils sont affreux. Mais je comprends pas, parce que des fois, j'arrive à les toucher, des fois, j'y arrive pas, quoi. On dirait qu'il me tète le sein, quoi. Il faut que j'aille sauvegarder, parce que si je recommence du début, là, je vais péter un plomb. Oh, putain. J'espère qu'il n'y a pas d'ennemis dans cette pièce. Non, ça, il n'y a pas d'ennemis. Oh, putain. Oh, la sauvegarde, la sainte sauvegarde. Je vais pouvoir récupérer la sucette et me soigner, sûrement.
Où est ma sucette? Sucette. J'espère que ça va me soigner. Ah! Bon, ça m'a pas énormément... Et ça, j'avais vraiment plus de vie, quoi. Ça va être chaud, hein. Je pense qu'il faut éviter tous les ennemis qu'on va croiser, là, parce que... Tiens, raté! Vite! Ah là, là, je les esquive, hein, parce que c'est affreux! Ah, j'ai trouvé un truc. C'est quoi? Oh, merci. Ah oui, le bon tuyau! Le bon tuyau à la Silent Hill, on va avoir une portée beaucoup plus appréciable. Je pense que ça va être beaucoup plus gérable. Oh, je suis heureuse. Vraiment, je pense que ça va aller déjà bien mieux, quoi. Oh, oh là là, regardez-moi cette portée que j'ai maintenant. Ah, le lapin est là? Mais qu'est-ce qu'il fout, ce con? Mais attrape-le! Mais putain, c'est vraiment une dinde, cette fille! Mais... Attends, je suis jamais rentrée ici. Il y a peut-être d'autres objets, non? Ah, le bon gros tuyau qui fait plaisir, ouais, là. Incroyable du cul. On va tester tout de suite ça. Coucou Rose, tu vas bien? Attention! Bim! Bim! Voilà! Bouffe! Sale... Mais non, mais je t'ai dessus là! Mais non! Genre, elle m'esquive par derrière! C'est une blague! Non, mais non, mais non, mais non, mais non! N'importe quoi! Je sais pas si c'est mieux finalement. Allez, mais. Oh, mais sois affreux. Mais non, mais regardez, j'ai de nouveau plus de vie, quoi. Mais c'est une blague. Bim! Non mais regardez, je suis dessus là! Voilà! Bouffe ta mère! Je sais pas où est le chien. J'aimerais bien de la vie s'il vous plaît. Qui c'est qui a pas dégrossi de perso? C'est moi. Je vous jure, c'est compliqué. Et on nettoie s'il vous plaît et rendez-moi le Nimbus. C'est pas Sir Peter quand même. Mais c'était le mec qui était ligoté. Why you little rat, Jennifer? Did you make a mess again? This is unforgivable, you dirty, dirty girl. Non mais arrêtez, j'ai plus de vie quoi. Ah, le chien le mord, je crois.
Le chien le mord. Le chien m'aide pour une fois. Je peux pas sortir évidemment. Putain ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Putain je suis morte. Princesse, petite princesse, sa petite fille était aussi belle qu'une princesse, mais elle était toujours... Quoi? Aujourd'hui, le jour de ses funérailles. Et tout le monde fut vécu heureux jusqu'à la fin des temps. Vas-y, mords-le! Oula. Aïe! Oh! En secours! Le chien m'aide pour une fois! Putain, il a marché sur mon chien, lâche-moi! Mais le one shot! J'ai tellement plus de vie! Moi, je suis le chien en mode. C'est ma vie, le chien, c'est ma vie! Le lapin est là. Continue à le suivre. Oh, je suis chaud. Ok, parfait. Bon, on est bien mieux que tout à l'heure. On est bien mieux que tout à l'heure. Je vais retourner sauvegarder. Donc là, après, on va aller au boss. Sauf que c'est toi. Cette fois, on a pas mal de vie. Caméra qui se tourne au dernier moment, c'est affreux. La barre de fer, c'est super. J'ai chaud, j'ai chaud. Alors lui, je le tape, sinon il va me faire chier. Putain. Arrête de me sucer le jonc. Mais regardez, genre là, je suis pas devant. N'importe quoi. Oh. Ok, c'est parti. What? Mais il est sur moi! Au secours, chien! Aïe, aïe, aïe! Meurs! Putain, mais avance, bordel! Ma vie, ma vie, ma vie, ma vie! Vie, ma vie! On va manger un petit gâteau, hein! Voilà! On pointe pas du doigt! C'est pas poli! Il a bugué? Oh, il a bugué derrière! Aïe, ouais, il peut quand même me toucher. Merde, il a plus bugué. Putain, la caméra, quoi, mais je vois rien. Mais quoi? Mais n'importe quoi, j'étais derrière lui. C'est une blague. J'étais derrière lui, il a réussi à me toucher. Oh, mais il est impossible ce boss. Vraiment, c'est nimpe. Et le chien, il m'a aidé deux fois, maintenant il m'aide plus, c'est ça? Non mais c'est n'importe quoi. Je sais pas si c'est faisable, hein.
me reste plus que ça comme vie. Hein. Avance. C'est horrible. Ah mais le chien est mort. D'accord. Très bien. La caméra. La caméra. Allô la caméra. Mais non allez, t'es en face là. Mais d'où je touche pas là. Je suis carrément en face. Oh le chéché. Mais c'est bien ce qu'il me semblait. Je me disais depuis tout à l'heure, il a sa main dans la bouche en fait. Oh putain. J'y croyais pas. Tu es sale, maître. Je te nettoie, je fous du sang partout, putain. Mais dis pas que j'ai encore des ennemis à affronter. Hein. J'ai plus de vie. Laissez-moi tranquille. Et c'était que pour le premier boss. C'est chaud. Mon chien est mort ou comment ça se passe? Sac chaud. Allô? Go! Ouais, on le voit respirer, me semble-t-il aussi, à moins que ce soit un bug. Mais j'ai rien pour le soigner ou je sais pas quoi. Hein. Qu'est-ce que je dois faire? Il y aura moyen de le soigner. Ouais, mais j'ai plus rien pour soigner. C'est ça le problème. Oh la magie de je change de pièce et d'un coup tout va mieux. Bon, je pense pas qu'il reste des monstres. On va les retourner sauvegarder. Le scénario. Il est un peu blessé quand même, non? Oh, il a une patte cassée! Oh, Pichoun! Oh non, c'est trop triste! Bon, il a essayé de m'aider, mais que au début. Bon, après, il était un peu mal en point, certes. Sur le point de vue, on prend le chien, on change de pièce et la Wayne est soignée. Non, mais c'est ça. Ça y est, je sais plus d'où je viens. Ça y est, je suis paumé. Voilà. Ah, si, c'est par là. On va retourner sauvegarder. On va aller apporter le. Je suppose qu'il faut apporter le sac. Je suppose que le lapin est dedans. Oui, c'est affreux. Pourquoi elle est par terre à quatre pattes? Elle me fait flipper cette meuf, sérieux. La princesse Mesquine parla en fixant son regard sur le sac entre les mains de la fille. Elle va croire que je l'ai tué. Donne-moi Peter, je le donnerai pour nous. Non. Non, casse-toi, je veux pas te le donner. Genre le chien qui est réprobateur. Non, je retourne juste à la poste, Chris. Là, ne vous enflammez pas, sinon je vous l'aurais pas dit comme ça. Je vous aurais dit... Oh, ouais, trop bien, mais trop un truc. Je vais pas lui donner, quoi. Bon, je crois que j'ai pas le choix. Hein. Mais en vrai, elle va s'attirer tous les mérites et tout. Oh non, pauvre petit lapin. Ah, il est vivant ce con. Comment il peut être vivant? Mais what the fion? D'où il est vivant? Je peux entrer?
Je jure. Oui, rentre. Même le chien, il comprend qu'il faut pas rentrer, que... Que nanana. La forêt semblait étrangement familière. Dans les bois épais, où les étoiles, une cérémonie sacrificielle avait commencé. Chassant désespérément sa peur, la fille s'approcha lentement de l'étrange lueur. Le poids ? C'est pas ces proies, il y a pas une, il y a pas un bug au niveau de l'écriture, non. Lower classes like you and me can't go up really close. Lâche-moi. Ah, ces bruits, mais collés au micro, c'est horrible. Ladies and gentlemen. Welcome to the Aristocrat Club. I wish to thank you for gathering here today. T'as retrouvé ta meilleure copine? Ah non. Jennifer. Mais attends, on est passé d'un bateau à une forêt, on en passe? On en parle ou pas? May I have your attention? This is a message from the Princess of the Rose. The message reads, Jennifer, your efforts this month deserve special recognition. You managed to find Peter and will be amply rewarded. Thus concludes the message from the Princess. Splendid work, Jennifer. You are no longer a wretched peer. Ah ouais, chouette, je suis plus une mendiante. Amanda, on the other hand, has been demoted. Ah, je suis passée juste au-dessus. Ouais. Amanda. It's time, oh. Jennifer. On va devoir lui mettre la souris dans la gueule. On va te frotter le rat. Jennifer. 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 Je sais pas si on vient danser. Jennifer. 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 C'est tellement bizarre. Mais quelle faible! Genre, elle combat des monstres et tout, elle combat un mec dégueulasse avec une main dans la bouche et tout, et elle tombe dans les pommes juste parce qu'elle a vu un rat avec 2-3 vermis au-dessus. N'importe quoi! Petite nature, mais grave. Donc ouais, on est passé à une immense maison au tout début, ensuite à un bateau, maintenant on était dans, pendant la cinématique, on était dans une forêt. C'est très bizarre. Non, c'était pas un bateau, c'était un dirigeable. Tu ne comprends toujours pas. Très bien, je te ferai lire ces livres alors. Wow, j'ai 3 livres à lire, c'est long. C'est beaucoup. Vite, vite, lis l'histoire, Jennifer. Je lis lequel? J'ai le hockey. Bien celui-là. Sœur chèvre. Merde, merde, merde! Oh, pardon. Oh. Petite sœur a écrit une lettre. Bah, bah. Grande sœur l'a dévorée. Bah, bah.
Petite sœur a fait ses devoirs. Bah, bah. Grande sœur les a déchirés. Bah, bah. Petite sœur voulait lire la lettre à grande sœur. Elle est allée la chercher dans ses entrailles. Mais maintenant que grande sœur baigne dans son sang, à qui petite sœur va-t-elle lire la lettre? Oui, elle a un petit peu con la petite sœur. Hein. D'accord. Non mais pourquoi pas hein.